Oui, bonjour toi. Oui, toi qui derrière ton ordinateur est déjà en train de baliser parce que c'est la rentrée, qu'il va bien falloir retourner charbonner, mais bon, on va pas déprimer pour autant. Ce numéro est donc fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles? Berlin Alexanderplatz. Pour être honnête, j'ai été tellement scotché par le long métrage de Ryusuke Hamaguchi que j'ai hésité à parler de Drive My Car. Mais vu que l'on a abordé le long métrage en tout début de semaine sur la chaîne, je ne me voyais pas vous en faire déjà un rappel. Par contre, pour ce qui est du nouveau long métrage de Burhan Kurbani, sorti il y a maintenant 2 bonnes semaines, le rappel était obligatoire. Bien plus encore que de nous offrir un morceau de cinéma unique en son genre, immense par sa forme, par son fond et par sa longueur, le metteur en scène allemand nous offre par là même un récit fantastique et moderne, une tragédie de notre temps, une grande épopée au cœur d'un Berlin souterrain et noir, qui semble engloutir ce personnage ne cherchant qu'une forme de rédemption, qu'un moyen de se racheter pour les erreurs de son passé, mais va en commettre de nouvelles en cherchant quand même à se relever à chaque fois. C'est une œuvre immense, tout simplement folle, qui transcende une base qui pourrait sonner comme extrêmement simple et très classique dans son genre pour livrer un moment de cinéma extrêmement galvanisant. La mise en scène de Kurbani brille à chaque seconde de cette œuvre rare et folle, emporte tout sur son passage, bouleverse par sa sensibilité et son infinie justesse de composition, que ce soit simplement le travail d'un cadre qui parvient à nous toucher avec facilité et puissance, que ce soit la lumière qui réussit à être sobre tout en ayant un style assez rare, que ce soit également les mouvements de caméra, parfois complètement fous. Tout est intense ici. La forme du récit n'en est que plus belle du coup. Cette épopée en 5 actes résonnant grâce à cela comme la version moderne de ces grandes tragédies grecques cherchant à montrer la chute et la remontée d'un homme face au danger, on est complètement là-dedans. Et c'est par ce genre de petits détails, par ce genre d'éléments créatifs et absolument fous que l'on ressent toute la maîtrise et la maestria d'une œuvre résonnant comme un moment de cinéma bouleversant et transcendant du début à la fin. Et cette puissance, cette générosité de composition, on la doit également à l'interprète central du long métrage qui donne tout ce qu'il a pour rendre son personnage aussi attachant que particulièrement détestable par instant. On sent que par son interprétation, Welket Bungwe nous offre une prestation absolument possédée par le personnage de Francis, offrant par là même un atout sûr et magique à une œuvre qu'il porte à bout de bras, et sans cela, franchement, il serait sûr et certain que l'œuvre ne parviendrait pas autant à nous toucher, à nous fasciner, à nous embarquer dans son épopée, car finalement, il est cette épopée. Burhan Kurbani nous offre ici une œuvre qu'il domine tout de son long, parvenant non seulement à donner lieu à un moment de cinéma bouleversant, mais également réussissant avec une pureté et une sensibilité folle à développer un instant de 7e art qui résonne comme unique en son genre, comme un pari assez dingue, qui résonne comme une promesse de cinéma qui se tient de bout en bout, que l'on aime, que l'on adore même, et que l'on veut porter loin tant on voit le brio de ce long métrage et que l'on ressent toute sa puissance cinématographique. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Berlin Alexanderplatz. C'est clairement un des grands moments de l'année 2021 en termes de cinéma. C'est une œuvre maîtrisée, démentielle, complètement folle, que ce soit dans sa longueur ou que ce soit dans sa forme. C'est un film généreux qui marche du feu de Dieu et qui ne manquera pas de vous marquer à la sortie de la salle.